Bonjour tout le monde, et c'est Gretwan, et re-bienvenue sur Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Et que faisons-nous encore une fois ici pour une 10e vidéo, si je ne m'abuse, je crois, hein. Encore les Snake Tales, vous voyez, on a fini 3 sur 5, et normalement, en tout cas, j'espère, enfin, c'est même sûr, hein, dans cette vidéo-là, je fais les deux, même si ça doit durer 4 heures, j'en ai rien à cirer, je fais les deux dernières Dead Man Whispers et External Gaze. On va commencer par la quatrième, forcément la D, Dead Man Whispers. Donc je ne connais plus, je le redis, je les ai faites qu'une seule fois, donc des fails à gogo forcément, mais aussi de l'inconnu. Alors nous y voilà. Oh, on va contrôler Pliskin. Alors ça c'est intéressant. La Big Shell au large de la côte. Alors je veux, hein, mettez pause pour lire si jamais je passe trop vite, parce que je vais lire en diagonale. C'est une réunion de la structure complexe, ok. T'es choisi au cours duquel un exercice top secret au cours duquel la Dead Cell. Donc évidemment, ce sont Vamp, Fatman et Fortune et... Et avant, George Sears, mais bon, maintenant ils sont plus que trois. Le rôle de terroriste de l'été de supprimer du tout le combat. D'accord. Gouvernement pour évoluer. D'accord. Beaucoup pensaient que l'entraînement n'était qu'une couverture dessus des lois. La DCL avait pour protéger les intérêts américains. D'accord. Aux États-Unis ou à l'étranger, chaque fois, l'anti-américanisme était écrasé de manière douteuse. Les rumeurs n'ont jamais été confirmées, étaient devenues synonymes de mort, de désastre et de calamité. Jusqu'à il y a un an. Il y a un an, le commandant, le colonel Jackson, d'accord. Donc là, à partir de là, l'histoire a changé. Le colonel Jackson a été arrêté pour corruption, dès lors des excès de zèle pendant les attaques, les passés que l'on associe à des essais sont devenus synonymes de corruption militaire et de déshonneur, d'accord. Première mission, l'exercice commun tirait leur fin, je gardais la zone dont j'étais chargé dans les TF, mais immédiatement après... Ouais d'accord, on contrôle Pliskin, mais en tant que vrai membre du CIRL en fait, d'accord. Je gardais donc la zone, mais immédiatement après avoir reçu un rapport indiquant que la moitié des terroristes avaient été maîtrisés, une transmission codée signalant une urgence. Attendez, je remets le... Voilà, une urgence arrive à son codec, rentrez tous, c'est l'équipe Alpha, on nous attaque. Pliskin, j'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? La Dead Cell, c'est Vamp, il nous a trahis. L'équipe est presque par lui. Ok, dans les TB. Où es-tu dans les TB, demandai-je. Enfin, où es-tu, demandai-je, dans les TB, d'accord. Dolph, j'écoute. C'est toi, Snake? C'est vrai, Scott Dolph était le commandant de la marine. Il était de l'exercice sur la Big Shell, j'expliquais. Donc on dirait que ça a commencé aussi. L'explosion dans le noyau de la chaîne de B1 est presque entièrement inondée, c'est ce que je craignais. 3 jours plus tôt, j'avais accepté, d'accord. Craignais qu'il arrive quelque chose, je compte sur toi. Dolph et la Dead Cell étaient liées. La fille de Dolph, Elena, était la femme de Jackson. Ok. Elena, Dolph, Jackson, c'est pour ça. Quand Jackson a été arrêté, Dolph est le seul à se... Ce faisant, il risquait ce poste. Dolph me créa une fausse identité, je me retrouvais donc sous l'exercice ou non, lieutenant subalterne Pliskin. Donc c'est une fausse identité. Que fait Vamp? J'ignore totalement. Ça va trahir un trouble profond. Snake, il faut savoir ce qui se passe. Nous sommes prisonniers dans la partie nord de la chambre de filtration numéro 2 à cause des débris et de l'inondation. Il va nous falloir du temps pour sortir de là. Sauve les Seals. Rends-toi à l'été B. Compris. Fais attention, tu n'as pas de munitions de combat. Ouais, sans munitions de combat, d'accord. Non, mais ça ira, on va aller à l'ETB et il y a probablement Vamp par là-bas. Mais c'est parti, let's go! Avec Pliskin. Ok. Concentration. D'accord. Alors, je peux friser quand même avec ça. Je fais ça, hop. Ah, faut pas que j'appuie trop. Voilà. Je sais pas s'il y a un garde à côté. À l'ETB. Je suppose que j'espère en tout cas qu'on n'aura pas besoin de faire tout le tour. Donc difficile de friser avec ça, hein, je précise. Il est là-bas. On y va, on y va, on y va. Yeah. My name is Pliskin, donc ça ce sont les soldats russes, ça fait plaisir de contrôler Pliskin. J'aurais bien aimé, vous savez, dans Metal Gear Solid 2, pouvoir aussi, ou alors ils pourraient le refaire maintenant, mais pouvoir, ok c'est fermé, faire, comment dire, comment vous dire ça clairement. Alors j'aurais pu passer par là je suppose, ouais, mais je vais fouiller en haut quand même. Pouvoir faire la partie de Solid Snake aussi de l'autre côté, vous voyez, ça aurait pu être intéressant moi je trouve, en tout cas personnellement. Personne, non c'est bon. C'est la partie sur les snakes en commençant par Pliskin et pour aller finalement plus loin. Je sais pas s'il y a un garde de ce côté là. Oh shit. Mauvais, c'est le seul qui faisait le rapport en fait. Tout est fermé en fait.
Bon, on va voir si tout est fermé. Ouais, je crois que tout est fermé. Ah, ils arrivent. Ok, ils l'ont trouvé. Non. Bon. Je fouille tout. Ah, j'ai peut-être bien fait de fouiller. Ok. Je pourrais passer par là, mais on est en prudence, donc... Bah, je vais attendre. Je vais fouiller même la bouche des rations. Donc il y a vraiment rien dans cette pièce là. C'est une perte de temps, mais c'est pas grave. On doit aller dans l'ETB. Donc en faisant select, hein, toujours les objectifs. La DTC s'est révoltée pendant l'exercice commun avec les Seals. Les intentions de vente ne sont pas claires, mais je dois sauver les Seals. Je me rends à l'ETB. D'accord. C'est par là. Et c'est bientôt fini. La prudence. Hop. On va attendre quand même. J'attends parce que sinon dans la zone aussi ça sera prudence, donc c'est pour ça. Fait plaisir de le contrôler quand même, Pliskin, j'aime bien moi. En mode kaki, Solid Snake en mode kaki comme ça, on le voit rarement comme ça. On l'a vu exactement dans Metal Gear 2 en kaki et dans celui-là, Solid 2. En vrai vêtements kaki, hein, sinon il y a Metal Gear Solid 4 mais avec le camouflage, voilà. Bon c'est bon, tout le monde se barre, j'y vais. Ah. Hop là. Allez, let's go. J'ai pas d'armes, c'est génial. Ah si, je peux... Ah, quand même. Je peux friser avec ça, c'est pas mal. Mais bon, j'ai pas de munitions, quoi. Il n'y en a pas de munitions. Tic, 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 tic. Oui, c'est super. Alors, j'aurais pu passer par le bas aussi. Il descend, c'est le moment. C'est le moment. L'autre qui monte en plus. Oh, cette magnificence, c'est bon, je suis passé. Comme une lettre à la poste. Alors. Strut A. Ok. Il y a l'autre qui est là. Je passe. Hein. Là, on est à l'été A, mais il faut qu'on aille au B. Bandage. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'action bientôt. J'aimerais bien aller dans cette salle-là, mais je sais pas si je dois y aller, justement. Booster. Fermé. Ok, bon, comme ça. Oh, la chance. L'autre, il s'est tourné au pile au moment. C'est ce qu'on appelle la chance. Il s'est tourné pile au moment qu'il fallait, justement. La chance que j'ai. Ok. Il fait quoi lui? Ok. Hey. Hey. C'est bon, on m'a pas vu. Je suis passé. Allez. La passerelle jusqu'à l'ETB. Ok, là, on est aux passerelles qui font du bruit. Il y a deux soldats, d'accord. Ok. Ils font le tour comme ça. Ouais. Ah ah, je viens de comprendre. Intéressant. C'était qui repart l'autre que je vais aller le friser. Il va là. Freeze. Vite, 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 go, 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 go. Freeze. Il va voir le corps, mais il va pas avoir le temps de déclarer l'alerte parce que je serai déjà passé dans l'autre été. Vite, 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 vite. Ok, c'est bon. Champion du monde. Alors, j'arrivais à l'ETB pour découvrir un véritable massacre. Les corps des Seals jonchaient le sol, tout avait été mis sens dessus. Il y avait du sang partout, évidemment, c'est la bonne pièce. J'entendais quelqu'un gémir, tiens bon, je cours vers lui, le pris dans les bras, respirait encore, gna gna gna, touché. Il était évidemment qu'il ne survivait pas, il me regardait avec ses yeux troubles, ses vents. Puis il a appelé ça son lynchage pour venger Jackson. Il a dit que Jackson a été accusé de corruption, et à tort, ça va, ne dis rien. Tatata, et un vent a eu en vœu au capitaine O'Brien.
Capitaine ne peut pas être impliqué, il n'est pas comme ça. Capitaine a décoré plusieurs fois dans le gouvernement en Europe, les médias le décrivaient comme un militaire compétent, il s'accrochait à moi. Capitaine est au premier étage du noyau de la chaîne 2, sauvez-le, je vous en supplie. D'accord, premier étage. Ce que je contactais Dolph, il répétait ce que je vois. Il n'y avait aucune surprise dans sa voix, tu le savais. Il se tue pour répondre, ouais, il y a eu beaucoup de merde de fonctionnaires militaires dernièrement, il paraît que Vamp derrière tout ça, Jackson est-il vraiment innocent, je ne sais pas exactement. Ok, crois-tu que il a trahi Jackson? Non, je ne pense pas, je connais sa réputation. Comment peux-tu en être sûr? C'est O'Brien qui a organisé cet entraînement, je sais, Ce qui suppose que O'Brien avait entendu parler du lynchage, non? Il savait, tu en es sûr? Oui, c'est O'Brien qui m'en a parlé, vous avez discuté de ça, O'Brien et toi? T'es un peu surpris, O'Brien et Dolph, un capitaine de la marine et le chef des marines. Pas le couple idéal pour discuter de ce genre de choses. Ce n'est pas de l'amour fou non plus, mais je doute qu'il me déteste au point de ne pas me donner un conseil pouvant me sauver la vie. O'Brien m'a prévenu que j'étais la prochaine cible de Vamp. Ouah. Je savais maintenant pourquoi Dolph participait à l'exercice, donc mettre fin au bruit qui courait sur Ditzel, tu t'es révélé à Vamp. Me réveiller après, je pouvais prouver que les rumeurs étaient fausses. Tu lui fais confiance. Je n'irai pas si loin. Je ne t'aurais pas appelé si je lui faisais entièrement confiance. Je suis un lâche. Je lui dis qu'il n'est pas si facile de faire confiance. Dolph ne répondit pas. Puis je lui demandais, mais c'est après O'Brien que Vamp court pour après toi. Oui, soit des infos. La seule chose qui est sûre, c'est que Vamp essaie de tuer O'Brien, Snake. Arrête Vamp. Compris. Je vais revisiter les structures de Big Shell pour passer à Shell 2 où Vamp se dirigeait de répondre à passerelle de les connexions 1 et 2 à l'ETD. Donc je vais donc me rendre à l'ETD. Bah c'est parti. ETD. On doit aller à la Shell 2, hein, donc on doit aller à l'ETD. D'après les dernières paroles du CIL, O'Brien est la prochaine cible à l'ETD. Donc je suis au A. Oh, il y a des munitions. J'espère qu'il n'y a personne pour l'instant. Les corps sont encore là. Pauvre Sears. M4 Bullet. Alors ça fait plaisir. Yeah. Bon, c'est au cas où je me fais repérer ou quoi que ce soit. Personne par là. Je vérifie s'il y a des munitions. Non, il n'y a rien. Ok, toujours un plaisir de contrôler. Je sais pas, je reste surpris. Hein, toujours de contrôler, je sais, c'est con, mais... De contrôler Street Snake à la Big Shell. Oh, USP. Ah, bah voilà. Hop, hop. Y'a pas de caméra ici? Bon bah je peux fouiller. Juste sur les côtés. Non là y'a rien. Là y'a rien. Ok, let's go. Allez, on y va. On doit aller à l'ETD, c'est ça? Au truc de purge là ou je ne sais quoi. Let's go. Bon. Bah, j'avance bien. Je trouve. Ah. Et y'a un soldat au bout. Pas bien. Soldat et le cipher est en dessous, donc apparemment pour l'instant ça va. Il est loin en plus. Allez, bouge, pars-toi. C'est pas beau ça, je savais qu'il y avait qu'un seul soldat, donc du coup je me suis pas fait chier, donc ce coup-ci j'ai trouvé la chaff, c'est parfait. Bon, pour l'instant c'est ok. La Shell D est là-bas, enfin derrière la C. C'est parti, il n'y a pas de caméra. Ok, go. Alors, les TC. Il va y avoir du soda ici, puis j'ai pas de silencieux, c'est chiant ça. Bonjour. Alors lui il se barre, non? Oui, il vient. Ah, il se barre de l'autre côté. Je vais fouiller pendant qu'il est pas là. Je fouille. Pire, j'aurai le temps de le déglinguer si me repère. Ouh, il y a du bon truc. Toujours tout fouiller, surtout dans les Snake Tales. Surtout. Ok, il reste toujours là-bas en fait. C'est ça, non? Ouais, ok. Bon, bah ça m'arrange. J'aurais pas à me soucier qu'ils viennent par là. USP, oh la vache, c'est cadeau. Cette mission-là se passe bien pour l'instant. Hello to you. Bon, let's go. Bonjour, est-ce qu'il me voit ici? Je pourrais y aller là quand il est comme ça. Oh, allez, fuck it. Freeze! Clic! Je sais pas s'il y a quelqu'un par ici. Eh ouais. Freeze!
Stress, stress, stress. Tac, freeze. Oh, magnifique. Pour l'instant, c'est le carton, hein. Hello. Hello. Bon, ok, ça c'est pour les petits pervers dans votre genre. Il y a quelque chose sous la table. Toujours regarder sous la table. Je fouille, hein, je suis désolé, mais bon, voilà, comme je l'ai déjà dit. Ce n'est que la deuxième fois que je fais la mission. Oh, une arme. Une arme. M9, M9. Oh, yes, M9. Ah, je suis content. Là, on va pouvoir s'amuser. Vous voyez d'où l'intérêt de fouiller. Sinon, je l'aurais pas trouvé ailleurs, hein, le M9. Donc. Et le M9 est une bénédiction dans une Snake Tales, parce qu'on ne l'a pas dès le début. Hein. Enfin, on peut l'avoir dès le début. Si vous voyez, par exemple, des youtubeurs ou autres qui l'ont dès le début, c'est qu'ils ont recommencé les Snake Tales en chargeant leur dernière sauvegarde. Ce qui rend la Snake Tales extrêmement facile. Hein. Ne nous le cachons pas. Ok, donc ça c'est fait. Let's go, on avance. Et ben c'est parfait pour l'instant. Là, je suis content. On avance vite, sans fail, mais ça devrait pas tarder. Bam. Ouais, petit fail. Normalement, il y a deux soldats ici, je crois, non? Je l'ai touché avec ma fléchette, donc ça devrait pas tarder. Voilà. Ah, quand même. Je vois pas le deuxième soldat, donc apparemment c'est bon. Petit test, s'il lâche des items. On va voir. Hop. Non, voilà, je le savais, c'est une snake tail. Attention à la caméra ici. Je savais qu'elle était encore là, bordel. Normalement, il n'y a pas de soldat, donc c'est bon. Vous voyez, parfait. Allez, go. Alors, j'étais à peine arrivé, que Dolph me contactait, il avait pu parler au Brian, avait bloqué la porte menant de ETT. Ah bah super. Il avait également réorganisé, la porte est bloquée, hein, les Sears qui restaient pour défendre les TG. Dolph dit, Snake rejoint les Sears, Vamp et des ennemis. Ces hommes sont peut-être des Sears, mais j'en doute. Je doute qu'ils puissent arrêter, mais quand passer à HL2, la passerelle de connexion 1-2 est fermée, un autre chemin. Devrait pouvoir atteindre les TL de la HL2 en traversant la barrière flottante au bas de la Big Shell. Prends l'échelle au niveau B1 de l'ETE. Pour descendre. Vamp devrait déjà être parti pour HL2. Devrait faire vite. Ouah. Bon bah l'été on est à quel été là déjà? Je sais plus. L'été D non? Ouais. On doit aller dans l'autre été. Ouah. Il y a du monde là. Là il y a du people. Merci le 9. C'est bon. L'autre il m'a regardé avec les jumelles. C'est pour ça que je l'ai déglingué aussitôt presque. Toi tu dors. Enfin, je t'ai touché, tu dors pas pour l'instant. Alors je me dépêche parce que je sais pas c'est qui fait le rapport. J'ai bien fait d'aller là. Ok. Vérifier s'il y a des items. Y'a rien ici. Ouais, c'est vous qui fait le rapport, donc ça va normalement. Pas le temps. Y'a un truc là. Y'a un truc juste là-bas. M9 en plus. Putain, pour l'instant je gère, hein. Hop. M4, ok. Il va y avoir de l'action plus tard, ça veut dire. Tac, tac, tac. Allez, go. Pas beaucoup de fléchettes par contre. Passerelle. Bon, bah ça se passe très bien. Il y a quelqu'un qui est juste à côté. Ah, il va monter l'autre, c'est-à-dire. Ouais, regardez. Il y en a un qui va monter, non? Ils sont juste en dessous. J'aurais dû y aller au moment où l'autre est descendu, c'est pas grave. Hop là. Fais dodo. Ah, et forcément. Bon bah tant pis. Une autre fléchette. Il y a quelque chose à récupérer de ce côté-là. Là-bas, il y a quelque chose et là, il y a rien. On va récupérer ce qu'il y a là-bas. Et ouais. Regardez bien. Oh, il y a une ration en plus, j'ai bien fait de regarder. Bien regarder où se situe chaque item. Enfin, bien regarder où se situe un item en fait finalement. Parce que là, regarde, j'ai gagné une grenade, ça pourrait me servir plus tard. Et surtout, une ration, ce qui m'en fait 3, la vache. Je pensais que j'en avais que 2. Allez, go. Il n'y a pas de caméra, c'est parfait. Go.
On y est, non? C'est ça, hein? Alors. Dans la chaîne 2, la porte menant a été. Je n'ai plus qu'à emprunter les barrières flottantes de. La barrière flottante. L'échelle est au niveau B1 et TE. Ok. Là-bas. Toujours au même endroit celui-là. Il y a des caméras. Vous la voyez à droite. Il vient lui. Dégage. Ouais, j'y vais à l'arrache, je sais. Là, je fais un peu l'abruti de ne pas regarder s'il y a des items, mais vu que là, cette zone-là est assez assez compliquée en termes de vision, hein, on voit pas très bien, donc du coup, j'avance, pas grave. C'est par là. Il y en a un qui est de l'autre côté. Il y en a un qui est là-bas, non? Ou il est, ou c'est juste au-dessus? Bon allez, on va voir. Tac, tac, tac. Yeah! Ben voilà! Comment que ça se passe trop bien? Bon, c'est normal. Hein. J'atteignis l'échelle de l'ETE et descendis environ 40 mètres. Une fois sur la barrière flottante, j'entendis des coups de feu venant d'en haut. Ils venaient de la passerelle de la connexion 1-2. Je vis des cils lutter contre Vamp. Mais ce n'est pas une bataille ordinaire, c'était un massacre. Vamp courait, les cils tiraient. Mais les balles ne le touchaient pas. Vamp lançait des couteaux, les hommes tombaient. Waouh! Votre unité, Vamp esquivait des coups, tranchait des gorges, ouvrait les ventres et perforait les cœurs. Je vis le dernier homme lutte hurler face à Vamp qui n'avait même pas une égratignure. Soudain, la passerelle de connexion explosa. Des bombes avaient dû y être posées plus tôt. Elle mis la passerelle en feu et elle commençait à s'écrouler. J'aime bien cette partie. Enfin, cette mission en tout cas. C'est peut-être parce que je l'ai réussi bien. Il se mit à pleuvoir des débris sur l'eau. Je traversais la barrière flottante en courant. Une énorme colonne d'eau s'était s'éleva derrière moi. La mer était déchaînée. La barrière bougeait en tous les sens. Je parvins à un. Je m'y retourne. Avec peine, au bas de l'ETL, je me retournai et mon regard croisa celui de Vamp qui était tombé du ciel du côté de la salle de Vamp. Ricana, lécha un couteau de sa longue langue et le lança contre moi. D'accord. Puis il disparut à l'intérieur de l'ETG. Je grimpai à l'échelle et entrai dans l'ETL de la salle de Vamp. Il était déjà, et O'Brien était en danger. Je courus vers le noyau de la salle 2. Ok, bah let's go. J'aurais peut-être dû sauvegarder, mais tant pis. Donc on sent que. Que le boss risque d'être Vamp, hein. Toi aussi, fais dodo. C'est bien, c'est qu'on fait le chemin inverse, et ça, on l'avait jamais fait finalement, donc j'aime bien. Normalement, il n'y a pas d'autres soldats. Ici, il y a quoi? Il y a. D'accord, la porte est déglinguée. Tu lâches même pas un item? Allez! Oh, t'es méchant. Ok. Ici. KL. Bon, bah, on va aller à la passerelle L. Ouah. Trop bien, on va aller au K. Bonjour, là-bas. Attention au Cypher. Je peux vous voir très rapidement. Je voulais pas faire ça. Ah, je peux pas l'avoir. Wow. Oh, putain. Allez, chaff. J'ai pas envie de user mes balles. Je sais pas du tout où je dois aller, hein, je précise. Je crois que je vais user mes balles quand même. Peut-être des trucs à récupérer par là, non? Là-bas, y'a rien. Là-bas, y'a peut-être quelque chose, mais j'y vais pas. Est-ce qu'on peut rentrer par là? Non. Allez, encore une. C'est cadeau. J'aime bien. M9, par contre, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Bon, allez, go! Go, 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 go. Ça m'aurait étonné qu'on puisse rentrer dans le cas, sachant qu'on n'y est jamais allé, même avec même dans l'aventure. Vite, 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 c'est bien, c'est réparé. Vite, 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 c'est bon, il a pas déclaré. Oh, je suis trop bon. La chance que j'ai, hein. La chance. Hein.
Là, c'est clair, c'est la change d'entrée dans le noyau de la chaîne 2, pas un coup de feu, aucun signe de vie. En fait, c'était le mec qui était au-dessus, mais j'ai pas pensé, j'ai pas regardé en même temps, j'ai fait le débile. Le codex sonna, c'était Dolph. Snake, où es-tu? Juste au-dessus de toi, je viens d'arriver au premier étage du noyau de la chaîne 2, et O'Brien, j'ai perdu contact, mince. Qu'est-ce qui s'est passé? Dit Dolph, semblait O'Brien devrait être à cet étage, non? Il a dû se barricader dans la salle de purification d'air, il m'a dit qu'il allait électrifier le sol pour empêcher l'ombre d'entrer. Je regarde le couloir, le sol luisait faiblement, on dirait que c'est ce qu'il a fait, oui, mais va fa face avant, comment savoir si ça marchera? Savoir, comment exactement ton pied? On détruit le coupe d'arsuit d'un seul gagne de solution. Tu arriveras en tirant un missile télécommandé dans une conduite. Tu vas d'abord devoir trouver le missile télécommandé. Et il est où? Où est-il? Tiens, je vais sauvegarder. Vu que je m'en suis pas mal sorti. Même pas une alerte sauf l'autre, mais même pas d'alerte, on va dire déclenchée. En tout cas, pour l'instant, je trouve que je m'en sors bien. C'est parfait. On a combien de temps? 25 minutes. Alors là, c'est génial. Mal à la gorge, je suis désolé. Bon! Y a du monde? Le sol électrifié là-bas, ouais. Ça change pas. Ok. Alors. Y a-t-il du monde par ici? On voit les munitions. Pour l'instant, je vois pas de soldats. Pour l'instant, il n'y a pas de soldats. Ce qui est une aubaine. USP. Là, c'est Nikita. Donc, faut qu'on trouve le Nikita. Ouais. Mais où est ce satané? Oh, M9. Oh, yes. Y a personne? Waouh. Chance. Oh, il y a deux items. Nikita, bon, bah on l'a trouvé. Ça n'a pas été long. Ah, c'est fermé ça. On va tout fouiller quand même, hein. Quand même, quand même. On va tout fouiller. Ça, c'est M4, ok. Alors, du coup, je pense qu'on va affronter Vamp, mais je crois que je vais avoir du mal pour cette partie. Je sais même pas si on doit le prendre. Ouais, d'accord, il vient pas, c'est pour ça. Oh, je fais bien d'aller partout. M4, M4. Allez! On va déglinguer ce circuit. Tic tic tic. Est-ce que je sauvegardais? Je me rappelle plus. Non, je crois pas. Hein. Pas grave. Alors c'est ici le chemin le plus rapide. Tac, boum. Go. Ah, ils ont changé le chemin. Bien vu, ils ont rajouté des grilles. C'est pas con. Histoire de changer le truc. Histoire de prévoir que les mecs comme moi, ceux qui savent quel est le chemin le plus rapide, prennent le plus long, c'est ça. Je sais pas si c'est par là. Ah, il y avait un totem. Enfin, c'est pas un totem, c'est une statuette. Allez, allez, allez. Là, c'est tout droit et à droite. Plus beaucoup de... Plus beaucoup de carburant, la machine. C'est où? C'est là. Ouais, comment c'est impossible? Eh. Là-bas. Ah, j'ai pas eu le temps. C'est pas ce que je voulais faire. On va essayer de ce côté-là. Hein. Ok, bon. Ah là là. Bon, allez, on va y aller à l'arrache. On accélère dès qu'on le peut. Là, je suis en bonne vitesse. Là, je suis bon. Ah là là, j'ai fait n'importe quoi, j'avoue. Allez, allez, on va y arriver, on va y arriver. Concentration, souplesse, abnégation, tout ça. Hop. Ouh, c'était chaud là. Là. Allez, allez, on y est presque, on y est presque. Bah voilà, c'est pas beau ça. Bam. Ah. Bon bah champion. Ah, ça fait du bien. Allez, let's go. Bonjour. Normalement O'Brien est là. Alors,
À peine entré dans la salle de purification, je vis O'Brien sur le sol, affaissé contre le mur. Son corps était lacéré. Vamp avait décidé de le torturer au lieu de le tuer. Me reconnu. Nous ne sommes pas encore tous morts. Ouais. Vamp n'est plus là, je crois qu'il est parti pour B1 pour la. Parti pour B1 par la conduite, d'accord, il n'y avait personne dans la salle, sauf le mort, j'avançais, il saignait abondamment, il n'en avait sûrement plus pour longtemps, je vais essayer de le soigner, mais O'Brien refusa. C'est fini pour moi, je sais, non, impossible, vous dites qu'il est parti pour la B1. Dolph était au niveau B1, comme O'Brien l'avait dit à Dolph, il était peut-être la prochaine cible, mais Dolph était le beau-père de Jackson. Il n'est pas du genre traître sur quelque chose cloché alors que je réfléchissais tout ça, ou bien. Laissez tomber, lieutenant, partez, ne vous frottez pas à Vamp, mais on ne peut pas les laisser continuer son petit lynchage, hein, lynchage. Il cracha du sang. Vamp dit que vous avez accusé Jackson de... Attends, c'est ridicule, c'est faux, personne ne pourrait commencer à dossier, ça y est, les preuves abondent, quoi. Mais il ne fit que tousser, le crachat du sang, puis il se tue pour de bon. Donc plusieurs fois par collègue, mais en vain. Vamp était déjà parti au B1, il fallait que j'aille sans perdre un instant. Non, je veux pas sauvegarder. Non. Voilà. Allez, c'est parti, on va essayer de sauver notre ami. Ah ben le voilà. Ok, ils ont remplacé par le mec qui tenait la valise. Subtil, subtil. Faire gaffe s'il y a des soldats. Il a dit qu'il y avait personne, mais dans une Snake Tales, ne faire confiance que soi-même. Allez, c'est parti. Par contre, je suis content, ça se passe pour le mieux. Pas une seule alerte déclenchée. Je me suis fait repérer, mais pas eu le temps de donner l'alerte à chaque fois. Merci au changement de zone, au passage. Non, les items ne réapparaissent pas. Hop, hop, hop. Petite roulade pour le style. Bon, bah, allez, on va essayer de. On va combattre à Vamp, je crois. Pip, 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 pip. Alors, comment je vais le battre? Je sais pas du tout, hein. Là, franchement, j'ai pas l'habitude contre Vamp. J'arrivais au B1, tout était exactement comme Dolph. Hein. Le percé, je me ferai un chemin en nageant parmi. Donc, on n'aura pas à nager, normal, logique. En même temps, je m'y attendais. Quelqu'un. Soudain, j'aperçus quelqu'un dans les ténèbres. Vamp. Je t'attendais, oui. J'attendais l'adversaire idéal pour fêter la fin de la Dead Cell et le voici. Solid Snake, qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber, Vamp, personne ne trahit Jackson, sa corruption. Je sais, quoi. Vamp, me regarder à la triche, Snake, tu ne comprends rien, tu n'as rien à comprendre. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu feras honneur à la Dead Cell en tant que ultime victime. Allez. Bon, je vais essayer de le battre, alors je vous le dis franchement, hein, je suis pas doué forcément contre ce boss, à part avec les techniques, mais quand faut l'avoir à une arme, je sais pas, j'ai un peu de mal. On va voir. S'il y a un lance-grenade, je veux bien. D'accord, d'accord, d'accord. Et si je me mets comme d'habitude et que j'y tire dessus, c'est bon ou pas? Avec une grenade stun, est-ce que ça va le faire? J'essaye. Désolé, mais... Oh, juste avant qu'il me touche. Ouais, mais c'est de la merde. C'est de la mouise. Je vais. Bon, bah, go. On y va à l'arrache. Il a pas beaucoup de... Ah, ça va être chaud. Allez, reviens. Plus comment on fait pour l'avoir, franchement. Ah, j'ai failli t'avoir. Ah la vache! Comment je pourrais faire? Ah oui, c'est pas la visée auto, c'est vrai. Merde, je fais n'importe. Esquive! 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 Touché. Ok, c'est comme ça. Faut, oui, faut pas faire la visée semi-auto en fait. Faut pas l'utiliser. Ok, ok. Oui, ok, ce que je fais. Mais je fais n'importe quoi. Faut que je garde des rations sur moi. Normalement j'ai assez de rations, hein, c'est clair. Allez, sors de l'eau. Ah, t'as de la chance. Touché!
Il m'a même pas touché, mais il y a un bug, hein, c'est pas possible. Vous avez vu les coups de lame qui me passent à travers le corps? Bon, j'ai enlevé presque un quart. Ouais, je dirais même un quart. Je tire sur les couteaux, moi. Esquive. Esquive. Ah! Oh, l'esquive encore. Touché! Bon bah franchement hein, je m'en sors pas trop mal, on va dire ça va. Mais c'est clair que j'ai pas l'habitude de battre comme ça. Moi je le, en général je le bats c'est soit à main nue, et Jess avec Raiden. Soit à main nue, voilà la grenade. Soit à main nue, soit au lance-grenade. Allez sors de ta piscine. Ça va, je l'aurais fait en une demi-heure, un peu plus quoi. Ça va, 45 minutes, c'est ce qu'il faut. Vas-y sors. Sors, 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 sors. Non, je veux pas sortir. Et ouais. Arrête de briller comme ça, t'es chiant. Ouh, t'as de la chance. T'as encore beaucoup de chance. Bon. Allez, reviens. Puisses-tu sortir de ta piscine? Ah, touché. Touché, c'est bon, il a moins de la moitié, donc je suis désolé, c'est un peu long, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? J'aime bien la position du snake en mode kaki, là, j'adore. Hein? Ah! Voilà. Ouah, comment je l'ai raté? Bon, je sais pas comment y esquiver ça. Bordel. Yes, Winnle. Ouais, je suis nul à chier par contre. C'est pas nouveau ça. Oh, M4, merci. J'ai ski. Yes. Et ouais, tu ne peux pas m'avoir comme ça, ni. Comment ça, je t'ai pas touché? Oh, les... oh, le petit décalage, c'est beau quand même. Esquive. Ouais, ouais, ouais. Yes, we null. Allez. Très bien, c'est... non, c'est... Ski. 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 Yeah. Allez, c'est bientôt fini. Merde, je l'ai pas compté. Yeah. Merde, je l'ai perdu de vue. Ah, c'est de ma faute. Oh, l'esquive des couteaux. En même temps, les couteaux... Non, j'avais pas l'arme. Mais le boulet... J'avais pas l'arme, je voulais viser et là, non, bah non. Si t'as pas d'arme, tu vises pas, je suis désolé, mec. Voilà. Non, tombe pas. Ok. Je veux juste pas tomber dans l'eau. Ok, d'accord, je fais n'importe quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Da 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 da. Plus de rations. Plus de rations. Il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire très attention. Touché.
Vas-y, vas-y, continuez, ça y est, ça y est, ça y est. Ski! Oh, même pas. Ah ah! Non, j'étais en roulade! C'est même le petit bloc de je sais pas quoi là qui m'a bloqué. Ta-ta-ta-ta-ta. Allez, récupère ta vie. Récupère ta vie. Oh, l'esquive. Voilà. Eh ben dis donc, c'était long, hein. On voit que je suis pas doué. Je m'approchais de Vamp, il baignait dans son sang. Vamp, dis-moi pourquoi tu as continué le lâchage en sachant que ça n'est... Parce que ça avait du sens. Final, la réputation, d'accord. T'es entaché, on l'appelait. Ok, la gloire passée, la dette sème. Nous avons tué plein de gens, les civils, les femmes, les enfants, les vieillards. C'était. Certains demandaient pitié, mais nous les tuons tous. Pas pour le plaisir, bien sûr. C'était notre mission, les sales boulots. Ok, ok, ok. Ma salle est rampée dans la boue et que nous nous réveillons en hurlant la nuit. Nous sommes nous les plus vils des hommes, peut-être, mais les plus vils des soldats, sûrement pas. Tu veux dire ton lynchage? Oui, si je tue pas en gens, les gens commenceront à se poser des questions. Plus je tuerai, plus le public devra croire en son innocence. Tu pensais que les gens croiraient, hein? Nourri, ne crois-tu pas? Son regard n'était pas celui de quelqu'un qui avait retrouvé ce qu'il avait perdu, mais celui de quelqu'un qui avait perdu quelque chose, d'accord? Ditzel retrouve. Enfin, tu as peut-être raison. Vamp l'avait souillé de sa main, il savait. La charge m'en manque, moi je peux protéger quelqu'un, tu ferais tout pour connaître Jackson, Elena, leur futur bébé, et Scott, imbécile. C'était Dolph, le cri résonna, c'était Dolph. Il entend le bruit de la bataille, nous avait... Personne ne t'a demandé de faire ce que tu as fait, ni Elena, ni Jackson, ni moi, tu le savais, non? Dolph rivait la main devant, t'avoir près de moi me suffisait. Une équipe fut officiellement dissoute. Quelques temps plus tard, une rumeur circula. Jackson avait été accusé à tort et la Dead Cells avait été victime d'un coup monté. Enfin bref, en tout cas, voilà pour cette quatrième mission, n'est-ce pas? On a battu Vamp tant bien que mal à l'arrache à la fin. Dead Man Whispers. Et ben voilà pour cette quatrième mission. Il ne reste plus que la cinquième. Elle s'est très bien passée. Je suis pas mort une seule fois. Juste le boss un peu long, mais sinon ça a été, hein. c'est clair que ça a été. Et la cinquième, je me rappelle juste du début. Et je crois qu'à la fin de cette cinquième mission, il y a une sorte de cinématique. Enfin, c'est pas vraiment cinématique, on entend plus le son, mais je crois que, ouais, on va appeler ça une cinématique. En tout cas, vous verrez. Mais bon, espérant que j'y arrive bien aussi à la prochaine, hein. Je l'espère aussi. De toute façon, je vais faire mon possible. Cette musique. Le générique dure pas longtemps, hein. Ne vous inquiétez pas, il est très bientôt fini parce que ce sont des Snake Tales, donc il n'y a pas de cinématique, donc déjà ça réduit beaucoup le travail, vous voyez. Coupure de micro, je suis désolé, c'est pas de ma faute. C'est pas moi. Alors. Quand vous là, c'est bon, c'est terminé. Allez, let's go. Let's go. Aïe, je viens de bouger mon casque qui s'est presque enlevé. Ah, ok, 42 minutes, c'est parfait. Deux sauvegardes, 6 morts, même pas repéré, donc ça va être la mission que j'ai le mieux réussi. Par contre, 4 rations, bah, c'est contre Vamp. On sauvegarde. Et la dernière, Snake Tales, qui est... ça commence par un E, c'est External Gazer, donc c'est marqué là. External, j'avais mes Gazers, je me rappelais plus. ABCD. Et on va faire la dernière. Alors, j'espère qu'elle dure pas trop long, enfin, pour la vidéo, hein, pas plus de 3 quarts d'heure, on va voir ça. Et je vous le dis, je crois hein, qu'il y a une cinématique, je suis pas sûr, mais je crois. Allez, on est parti pour External Gazer. Vous sentez les frissons? J'ouvris la porte. Ah d'accord, ça commence directement. Donnant sur les TB, je me rendis sur la passerelle AB, pas d'ennemis à l'horizon. Tacon me donnait des instructions. Écoute bien, Snake, je vais répéter. Cette fois, notre cible, c'est ce mystérieux monstre non identifié. Ah oui, voilà, le Gurlugon. Le Gurlugon, c'est dans les missions VR, c'est un soldat géant. Est-ce qu'on y aura droit ici? Je pense pas, parce que, apparemment, vous voyez, sur l'écran derrière, c'est dans l'eau.
Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le seul à parler du Gurligon et en faire tout un plat, c'était Otacon et Mailing. En tout cas, ce que je pensais, mais je ne dis rien. Tu le sais sûrement déjà, mais surtout ne le blesse pas. Prends une photo de lui avant qu'il ne disparaisse. Tu t'en es bien fait tirer jusqu'ici, alors pas de bêtises. J'avais les mains liées, ridicule ou pas. Même une mission est une mission. Ok, c'est juste pour un monstre, hein, c'est la petite connexion. C'est la petite connexion, c'est la petite mission bonus, mais il y aura probablement une cinématique, je crois. Comme j'ai dit. M9. Pas de garde? Parfait. Faut le prendre en photo, c'est ça? Ah! Oula! Oula, oula, oula! Alors, en silence, je fixais la mer qui s'était transformée pour de l'eau commençait à monter. Il ne faisait aucun doute que quelque chose d'énorme s'approchait. Mission de recherche du monstre. Point de se terminer de façon inespérée. Comment en étais-je arrivé là? Tout avait commencé 3 jours plus tôt. Je testais la dernière invention d'Otacon, le système de Hervé. Ou VR, comme vous voulez. Enfin, là, c'est la deuxième, c'est Hervé. Dans la cachette de philanthropie à New York. Donc là, on retourne dans le passé. On va devoir faire des missions VR. Donc là, un petit flashback, hein, je vous le dis. Flashback. Désamorcez toutes les bombes. Le bruit que les bombes font peut vous donner une indication sur leur emplacement. Vous avez 10 minutes. Oh shit. Je peux tuer des gens. Ok. Il y a une bombe par là. Tu fais dodo. Où est la bombe? Je cherche la bombe par ici. J'ai pas. Je n'ai pas, je n'ai pas. Tu fais dodo. Qu'à endormir tout le monde et chercher la bombe après, je crois que ça va faire ça. Hein. Ah ah! Ici. Non? Ici. Je sais plus. Elle est de ce côté-là. Ah, je sais pas du tout pour l'instant. Attention, soldat qui est là. A fait dodo. Alors, la bombe. En haut, non? Ah, je la vois pas. Bon, bah, on continue. On est en VR. C'est cadeau. Au-dessus. Ouah, comment je la trouve pas du tout, en fait. Oh, la vache. La vache, la vache. Je l'avais presque trouvé, en fait. Il faut la trouver, il faut la trouver. Il faut la trouver. Ouais. Normalement, elle se situe par là, mais là, je la vois pas par contre. Personnellement. Où est cette bombe? Bon, tant pis, on va aller de l'autre côté voir l'autre. Hein. Il reste 8 minutes. Ça devrait le faire. De toute façon, les soldats, je les tue après. Bah, il y a peut-être quelqu'un qui... Bah non, personne fait de rapport. On va voir, de toute façon. On va voir après si c'est débile ou pas d'avoir tué tout le monde. Voilà. Non, il n'y a jamais rien. Oh, il y a une bombe de l'autre côté. Putain, la vache. C'est trop grand, c'est trop grand. Y'a pas de soldats en haut? La chance. Oui, je l'ai endormi. Ah! Alors! Elle peut être n'importe où par ici. Où est-elle? Où est-elle? Je suppose que. Ouais, ouais, je suppose. Non. Ça explose pas. Parfait. Elle est là. La première. Ting et d'une. Et la deuxième. Où est la deuxième? Bordel. Est-ce que je tue tout le monde ou pas?
Ouais, allez, je tue tout le monde comme ça, ils vont pas s'en relever. De toute façon, je m'en fous du score hein, pour l'instant. Ah! Hop, hop. Voilà. Il nous reste quelques-uns. Désolé, hein, je sais pas du tout où est la deuxième bombe. Enfin, plutôt la première, je dirais. Là, j'avoue que je sèche un peu. Je sais pas du tout, j'ai juste tué les autres. On a le temps, on a 5 minutes encore. Oui, je sais, j'ai entendu. Est-ce que si je vais là et je l'entends? Je l'entends pas, donc elle est pas allée à cet étage là du coup. D'accord. Ouais, je vais faire gaffe quand même. J'ai quoi d'autre? Grenade chaff, ouais, comment que c'est inutile pour l'instant? Bordel, bordel. Oui, c'est cette année. Je sais pas du tout, hein, franchement. Je vous l'avoue. Elle est pas en bas, non, je sais pas du tout. Peut-être qu'elle est sous la passerelle, non? Ça m'étonnerait pas du tout. Non, même pas? Oh fuck. Au-dessus, non. Là, sur une des trucs, non. Ouais. 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 Bordel, je l'entends quand je suis ici. Pas possible ça. Sous l'escalier, non? Là? Non, elle est pas là. Elle n'est pas là. Merde, je regarde n'importe comment. Forcément. Non, non, je crois pas. Mais non, je suis bête, en plus la fumée est là, mais du coup je la vois pas moi, la bombe. Nya, intelligent. Hein. Putain, elle est vraiment voilà, cachée. Cachée. Ouais, non. Ouais, j'avouerai que je ne sais pas du tout où est cette bombe, bordel. Sous la passerelle, non? C'est elle là? Qu'on va clignoter, non? Là? Allez, du côté de l'escalier, j'y crois pas. Pourtant, tout à l'heure, j'ai regardé, non? Bon, tant pis, on va dire que j'ai regardé tout à l'heure. Eh ben, nom de Dieu, pour la trouver alors que c'est pas du tout dur. En fait, je regardais de l'autre côté. Si vous regardez la fumée, si vous re-regardez la vidéo, vous verrez que la fumée est de ce côté-là, mais elle est bien éparpillée. Donc, oui, bon, de toute façon, pour le score, j'en ai rien à cirer. Exit. Alors, le monde disparut devant moi, tandis que je revenais à moi, je me rendis compte que je n'étais pas en mission de déminage chez un pétrolier. J'étais assis sur le siège de formation RV, jetais mon casque et Otakon se retourna pour parler. Ce n'est pas génial. J'apprécie sa collection tout fier. Que penses-tu du nouveau système? Pas mal, c'est tout. Hein, en fait, j'en reviens pas, je ne pense pas que ça marcherait si bien. C'est équipé d'un moteur Coppeltorm. Le moteur est un système de calcul quantique qui a suscité pas mal d'intérêt. Calcul quantique, la physique quantique. D'ailleurs, petite anecdote, tu pouvais voir le sketch de Alexandre Astier sur la physique quantique, c'est un petit peu drôle. Des machins Q par ici, des tensors par là. Pendant 2h37 minutes, je regrettais amèrement ma question. En résumé, pour reconstruire les environnements de réalité virtuelle, j'ai l'information sous convertie en signaux, chaque sens et réaction de ton corps sont ainsi, il est impossible. Il est possible de créer un environnement de RV totalement. Il est repris en sous, je n'ai pas raté l'occasion, je vois, je comprends maintenant.
Attends un peu, réessayons. Le scénario suivant consiste à éliminer les ennemis pour que les otages puissent s'enfuir de la Big Shell. Dacon devait avoir hâte d'essayer son nouveau jouet. Je me rassis à contre-cœur. Il continue à son briefing. Ta mission consiste à éliminer tous les ennemis dans un certain délai. Prêt? On y va. Je remis le casque et je fermais les yeux. Un éclat de lumière m'aveugla tout de suite après. Je me retrouvais dans un monde qui, j'avais du mal à le croire, n'était rien d'autre qu'une simulation. Éliminer les soldats, une autre mission VR. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas que des missions RV dans cette mission. C'est pour ça que j'aime bien. Éliminer les ennemis, atteignez l'objectif. Le fusil de l'ennemi est puissant. Faites très attention. Ok. Freeze. Ok. Freeze. Comme on a très peu de munitions. Tac. Freeze. Toi là-bas. Voilà. Freeze. Bon, l'autre qui arrive à côté, bordel. Ils sont combien là? J'ai des clés morts aussi, mais ça c'est si je me fais repérer. Ah, les autres vont me voir sinon. Tant pis. Ouais, il y en a combien? Encore 4, bah ça va, j'ai assez de munitions pour. Et de toute façon, j'ai déjà tué des mecs, donc niveau score, j'en ai rien à cirer. On va essayer de pas se faire repérer. Attention au prochain. Voilà. C'est fait, bon là c'est largement plus rapide hein. Évidemment faut battre leur corps en général mais. Où est l'arrivée? J'ai peur que ce soit au début. Non c'est bon, c'est là. Allez go, c'est bon, on a réussi celle-là aussi, un peu plus rapidement, yes. Et niveau 6. You know what you're doing. Donc j'espère que les prochaines VR vont pas être trop dures parce que les VR, bordel. Stamina, réalité, disparu et genre. Alors, en tout cas, celle-là, cette histoire est originale. C'est bien fait, c'est sûr, mais il y a quelque chose de pas naturel au niveau des sens, je dirais. C'est dur à décrire, c'est comme s'il y avait le corps de quelqu'un d'autre. Pseudo-signal, en théorie, il doit être possible de reproduire. Mais une conversation, Tacon. La porte s'ouvra et Mailing entra. Et regardez ça, Mailing dans sa journal qu'elle avait apporté. Oh, un monstre à la Big Shell. Oh, c'est le Gurlugon, ça. C'est le soldat géant, si vous voulez le reconnaître, le soldat qu'on voit au premier plan. Je vous l'ai montré dans ma mission bonus en plus, même si je l'ai pas battu, alors que c'était facile. Un monstre à Big Shell, complètement ridicule. Mailing cligna des yeux avec surprise. Et alors, c'est un monstre, Snake? C'est vrai, c'est un monstre, la photo est sûrement truquée, c'était une opinion. Pas incroyable, n'est-ce pas, Mailing? Un monstre New York, c'était une nuit, exactement, c'était une nuit, 3 nuits, donc c'est à Big Shell, je veux y aller. Et au Tacon, j'ai une idée, si on capturait. À toutes les sciences, d'accord. En fait, oui, Otacon et Mailing sont à fond dans les monstres, contrairement à Snake, mais le problème c'est qu'il n'y a que lui qui part en mission. Devenir des profondeurs, hein, pas mal, c'est peut-être un messager venu de l'espace. Poursuivre avec enthousiasme. Je ne pouvais pas croire qu'ils songeaient sérieusement, mais il fallait que je leur demandais, vous ne songez pas sérieusement à capturer cette chose. Réveille-toi, Snake, on est en train de parler d'un monstre. Il a raison, il s'agit d'un monstre. Bon. En tant que scientifique, je dois agir. Ok, mais qu'est-ce que tu proposes? Je vais te le capturer. Vas-tu laisser une occasion finie entre les. Non. Otacon et Mailing poursuivent leur tirade, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. D'accord. Voilà comment j'atterris sur la Big Shell. Ah bah nous y voilà. C'était il y avait 3 heures. Donc je sauvegarde. Vu que j'ai fait. Alors, là. Normalement on a terminé le flashback, hein, n'est-ce pas? Vas-y, vas-y, sauvegarde, 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 sauvegarde. Tac. Go. Alors. Je dois faire quoi du coup? Je suis venu dans la Big Shell pour chercher le Gurlugon, je dois trouver Gurlugon. Ok, ça s'ouvre pas. Ok. Je vais voir de l'autre côté si ça s'ouvre. 3. Le manche à balai. Oh, le manche à balai. Oh, le manche à balai. Voilà. Y'a pas de Gurlugon de ce côté-là? Non. Bon.
Il me fait peur, c'est que... Ah non, ça va, j'ai quand même 9, donc ça devrait aller. Allez, go! J'ai perdu des munitions, donc bon. Contacter Otacon par codec. Alors, Snake, indice négatif, mais j'ai vu des gens bizarres très dans le coin. J'ai vu des soldats pour la passerelle. Je parie qu'ils essaient d'attraper le Gurlegon aussi, j'en doute, c'est certain. Poursuite et recherche sur faire prendre le Gurlegon a été aperçu au sud-ouest de la Big Shell. Surtout, va sur la passerelle A et B. Après avoir tout chemin, je ne pouvais qu'obéir à Otacon. Ce qui est pas faux. C'est pas faux, effectivement. Y'a quelqu'un? J'entends rien. Je n'entends rien. Tiens, tu fais quoi toi? Tu m'as surpris! Voilà. What's going on? Respond. Ah! Non, non, non! Bam! Bon, ils vont le réveiller, lui. Bon, bah, c'est parti. Je me suis fait repérer, c'est pas grave. Oh, heureusement que j'ai bien fait de... Y'a rien à récupérer ici, bordel. On va attendre hein, la fin de la prudence, c'est pas grave. Allez-y, allez-y, calmez-vous. Enfin, amusez-vous, pardon. C'est bientôt fini, c'est pas fini. En tout cas, voilà, on doit trouver le Gurlugon, qui est un soldat géant, qu'on retrouve dans la mission VR, qui est facile à battre, en fait, la dernière fois, quand j'ai... Si vous voulez voir la vidéo bonus, vite fait, que j'ai présenté quelques missions VR que j'ai affreusement ratées, mais... Il fallait tirer un stinger dans certaines parties du corps et là il y avait une sorte de voyant ou je sais pas quoi bleu et il fallait tirer au sniper ce coup situé. Moi j'avais pas compris ça en fait à la base, j'ai mis du temps à comprendre j'avoue. Mais après je l'ai compris. Alors la prudence est pratiquement finie, il y a les mecs qui sont encore là. J'ai quoi ça? Ah d'accord, j'ai une caméra aussi. Il y a des photos de prise avec? Non. Oh, une ration. Ça m'intéresse par contre. Narration. Narration. Ouais, ouais, ouais. Dégagez là. Foutez-moi le camp. Il n'y a plus que lui. Ce qui est bon. C'est bien ça. Freeze. Vite, 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 vite. Je sais pas s'il donne le rapport, j'espère pas. Il clique, voilà. Gnork. Ouh, la chance. Normalement, en repassant, il va rouvrir la porte. Hein. Vas-y, ouvre la porte. Freeze. Il a pas ouvert la porte. Freeze! Ok. Ah, voilà. Je suis content, j'ai eu la ration. Ça, c'est cadeau. Toujours une ration sous les tables ici, c'est incroyable. Enfin, presque toujours. Y a-t-il quelque chose ici? Fouiller, fouiller, fouiller. Telle est ma destinée. M9, merci. Et y a rien ici. De l'autre côté. Donc oui, cette mission-là est loin d'être parfaite, mais bon, ça m'étonne pas. Bon, c'est dommage, je me suis fait repérer débilement, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas grave. Chaff. Mauvais signe. Hello. Oui, je sais, à chaque fois je le fais, mais... Bon. Le petit côté pervers, c'est par... Ah, c'est parti. Allez. BC. C'est ici qu'il fallait que j'aille, non? Select. Alors. Je suis venu dans la Big Shell pour y trouver... Ah non, l'autre passerelle, encore après, bordel. Machin. Vite,
Vite, vite, vite, faut rattraper le Cypher. Il en a récupéré, non, c'est bon. Go, 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 go. Comment je l'ai doublé? Allez. Plus qu'à traverser cette salle et on doit aller. On ira, pardon. À l'été. Je le savais qu'il y avait un soldat ici. Je me rappelais. Ça, c'est cadeau. M9. Par souci. Si. Un soldat par là? Je le savais. Je le savais qu'il y avait un soldat ici, bordel. J'ai failli me faire avoir, mais c'est bon. Là, c'est good. Alors, donc ça va, je me défends pas trop mal. Grenade stun, va y avoir de l'action, ça veut dire. Ça veut dire, va y avoir de l'action. J'aime pas trop de l'action dans les Snake Tales parce qu'on est très très mal équipé. What? Non, c'est bon. Ça, c'est fait. What? J'ai cru voir une ration à gauche, mais non. Toujours les traces de sang ici. Bon, bah c'est parti, on est sur la bonne passerelle. Cool. Alors, voilà comment mon histoire avait commencé. Je me retrouvais donc là, traquer un monstre et quelque chose allait apparaître devant mes yeux. Il ne me restait plus qu'à me préparer. Je vérifiais l'appareil photo. J'ignorais ce que j'allais voir. Ce que j'allais voir, oui, tout à fait. Mais il fallait d'abord prendre une photo, les questions viendraient après. Sauvegarde. Merci pour la sauvegarde. Terminé. Go. Alors, on prend la photo. Ouah, le gurlugon. Ouah, il s'est fait des... What? Je crois qu'il y a des soldats qui viennent de... De l'autre côté, justement. C'est pour ça que je suis venu me cacher. Même pas? Bon, bah c'est parfait. J'espère qu'il n'y a pas de soldats. Parce que je crois que la dernière fois, c'est ça mon souvenir de cette mission-là, c'est que des soldats m'avaient surpris. Oration. Là. Ah, même pas bon. Hop là. Good. Ah. Shit, shit, shit. Je le savais. I knew it. Prenez ça dans vos mouilles. Non, mais non, j'ai jeté une chaffe. Boulet, boulet, you wanna be a boulet. Ah, la ration. Merci. Fais dodo. Recharge d'énergie. Je sais pas s'il faut rester ou pas en fait. Ah! Montre-toi! Ah oh, bordel, il m'énerve. Allez! Voilà! Ah, c'est fini! Yes! Olga, d'accord. Laissez-moi passer, s'écria Olga. Elle n'était pas armée, elle ne semblait pas vouloir attaquer. Je me mis à parler. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? La souris a l'air si différente. Elle a plus cette impression de tragédie et de son grandeur, d'accord. Je ne suis pas le moi que tu connais, je ne connais pas le moi que tu connais. Ah bon. Qu'est-ce que tu racontes? Je cherche la clé pour partir dans mon univers, cette étrange créature, et cette clé n'appartient pas à ton univers, moi non plus. D'où nous venons d'ailleurs, et ton univers va avoir des ennuis si tu n'y prends garde. Ah, j'étais perdu tout en grinçant les dents. Elle dirigea son regard vers la mer. Mince, il s'en va. Écoute, vérifie le système Hervé. Il permet de jeter un œil dans un autre univers. D'accord. C'est ce qui cause tous ces problèmes, s'écria Olga en sortant de la passerelle. Attends. Mais elle avait déjà disparu dans l'eau. L'un après l'autre, ses acolytes sautèrent dans la mer. Je me retrouvais seul sur la passerelle. Je ne voyais plus le gurlugon. D'accord. C'est un univers parallèle. Oh, quelle belle photo. En fait, là, si on prend la photo avec du recul, on dirait un vrai soldat, mais pas forcément géant. Vu la taille de la barrière, enfin voilà, avec le zoom. En tout cas, voilà. Ma photo trônait sur la table, cache rien d'aujourd'hui. Dis jamais non, aujourd'hui encore, il a essayé de se cacher. Ni, en fait, il se montrait plus jamais.
N'aie pas l'air à mentir, en plus l'existence ce monstre ridicule a été un problème de... En tout cas d'inventer des univers parallèles. Plus d'explications que je n'en voulais. N'hésitez pas à lire, c'est assez drôle, mais je peux pas tout lire, là j'ai pas le temps. Ok, ok. Sans que je sache pourquoi ils avaient commencé à s'entrecroiser au hasard, c'est ainsi qu'Olga avait été remplacé par un Olga, d'accord. Par exemple, il se pouvait que je sois remplacé par une autre version de moi-même venant d'un autre univers, hein, et si une autre version de l'univers où la Lune est entre en collision avec la Terre, etc., etc., pas d'un autre univers. Secoue la tête, je n'arrive rien du tout. Écureuil m'expliqua le moteur qui était au cœur du système et dans un dispositif de calcul quantique conçu par le docteur Coppeltorn. Ok. Il semblait à des sphères en fer. Pourtant, ça marchait sûrement pour cela que certaines personnes. Ok, ok. Dispositif provenant d'OVNI ou d'une situation disparue. Personne n'avait jamais vu le docteur Coppeltorn. Coppeltorn. En personne. Ok, était donc le lien mystérieux dans le système merveilleux, la collision d'univers parallèles. Jeter un œil dans l'autre univers, mais Mailing avait sa propre théorie sonnelle, et c'était merveilleux, il ne contentait pas de construire une réalité virtuelle par ses calculs, et il pouvait également franchir le mur séparant, d'accord. Mais ce n'était pas tout, ajouta Mailing, peut-être qu'Olga cherchait le Gurlugon parce qu'il était la cause de la distorsion. Il fallait l'éliminer pour arrêter la distorsion, d'accord. Pour ça que nous continuâmes à chercher le Gurlugon, nous avions perdu toute trace du monstre, nous n'avions fait aucun progrès, nous avons perdu... Soudain, si tu situais le Gurlugon peut prévenir le problème, il y a peut-être un moyen que de te dire Oslo, Oslo. Otacon leva la tête et Mailing commença son application. S'il est vrai que le système RV peut interférer avec d'autres univers, du contre système de RV, nous tuerons peut-être le vrai et celui de notre univers, ce n'est pas un peu poussé. On ne peut pas rester assis à regarder cette photo. Snake qui dit je sais pas. Elle n'était pas satisfaisant, je devais accepter que nous avions. Ah, d'accord, faire déglinguer le Gurlugon. Ouais, bah écoutez, sauvegarde. Je suis désolé, je recoupe un petit peu, mais c'est la sauvegarde, c'est l'heure de la sauvegarde. C'est l'heure de la sauvegarde. Sauvegarde en cours. Sauvegarde terminée. Allez, go. Sauvegarde. Vas-y, envoie. Ah. Est-ce que c'est le hasard ou non? Alors oui ou non, je ne sais pas. Mais vous vous rappelez que dans ma vidéo bonus, justement, je l'avais combattu, cette saloperie de Gurlugon de... mes fesses. Ah non, 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 il va me toucher. Ah, est-ce qu'il... Blah. Ah. Cours, cours, cours. Est-ce qu'il... Donc, comme j'ai dit tout à l'heure... Oh, l'esquive, ce que j'ai mis. Stinger. C'est parti. Bam. PG1. Voilà. Ça qu'il faut. Esquive! Ce que j'y mets. Ah non, 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 vite, recharge! Oh, t'es sérieux? Je suis bordé. Oh là là là, mais. En même temps, j'ai bourriné dans le tas comme un abruti, hein, j'avoue. Là, j'ai. Oh non. Ah. Non, pas le PSG1, espèce de. Bra. Ok. Singer. Voilà, va, voilà, va. Père. Non mais cette visée carrément au sud quoi. Bordel. Regardez-moi ça. Non, j'ai fait la roulade. La roulade que tu peux rien dire. Bam 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 bam. Boom. Who you think you are? Ski.
Stinger. Allez. Là. Ah. Yes. Ça marche avec ça aussi, c'est pas beau ça. Pfiouf. Bon, je vais sûrement mourir sur cette partie là. Ah bon. Là. Là 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 là, PSG1 Power. Là. J'ai. Voilà. Alors. Esquive. Ensuite, c'est pas fini. It's not over yet. Bam. J'ai. Ah, trop long. Allez, plus de balles. Are you kidding me, bordel? Merci. Oh putain. Bah oui. Eh bah oui, eh bah voilà. J'ai plus de balles à chaque fois. Esquive. Je récupère juste l'énergie, hein, pour pas crever. Je prends ça. Je prends ça. Vas-y, retire. Alors. Je me suis fait avoir. Waouh, je vais crever. Oh, l'esquive que j'ai mis. Enfin, pas esquiver, mais... Esquive. Oh, la vache. Allez. Go. Je le vois pas, son cœur. Là. Ah oui, d'accord, il se régénère pas au niveau du cœur. Ok. Je viens de comprendre ça. Oh bah oui, bah bien sûr, bien sûr. Ah. Bla. Pas grave, c'est pas grave. Ça va être chaud par contre. Esquive. Allez, vas-y, récupère. C'est juste que j'ai... Ah bah y'a plus de temps, bah oui, bah ok, salut. Au revoir, Gurlugon. Au revoir. J'avais pas fait gaffe au temps en plus, bon c'est pas grave, on va recommencer. Hein. Tiens, bouffe. Allez, on recommence. C'est la seule façon de terminer cette... Ok, go. Ça. Peut-être un truc là. Non, y'a rien. Esquive. Aussi, je me fais pas toucher dès le début. Go. Non. Non. J'ai pas pris de... Voilà. Pentazémine. Ok. Voilà. J'utilise pas le PSG1 tout de suite en fait, c'est pour ça. Go, on continue. Là. Là, ok. Ok. Voilà. Vas-y, tire ton truc. Esquive. T'es trop lent.
T'es trop lent, t'es trop lent. Là. PG1, go. Boum, 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 boum. Bordel, il faut pas en rater beaucoup des tirs, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Esquive. Je vais me reculer parce que je vais avoir besoin de recul. Comment on est le PG en munitions? Normalement, ça devrait le faire. Ah! Esquive! Cette esquive! Pas t'esquive, quoi! C'est maintenant ou jamais. Allez! Bordel, faut combien de balles pour ça? Voilà! Eh ben, celui-là, la dernière fois, je l'ai pas eu. Oh, cette esquive. C'est bien, je vais pouvoir le finir maintenant. Bam! Allez, PSG1. Allez, bourrine-moi ce sac, voilà, et plus qu'une. Et ça sera sa tête. Ça sera sa tête. PG1. Ok. Maintenant, this is the end. Tu m'as battu en mission VR, mais c'est terminé. Allez, encore et encore. Histoire de découvrir le terrain. Voilà! We did it! Die! On a battu le Gurlugon, c'est pas beau ça? N'est-ce pas beau? Il faut le Gurlugon vaincu, nous éligible, nous éteignime, pardon. Tu crois qu'on a vraiment réussi à hausser les épaules, hein? Mais Nick, bien sûr que t'as mis sur réussi. On vient de perdre le seul moyen de rétablir les... Qu'est-ce que tu dis? Mais de la capturer, d'accord. Bref, éliminer un particulier, c'est aussi éliminer le seul moyen de ramener l'espace anormal qui est tué. Mailing se moquait de Tacon, comme dirait Olga. Je ne suis pas la Mailing que vous connaissez, mais ne m'en voulez pas trop. Je suis juste les ordres de quelqu'un. Quelqu'un qui... Mon mari, d'accord. Je crois qu'il s'appelle Solidus dans votre univers. Mailing et Solidus. Oui, les univers parallèles sont des univers qui peuvent ressembler aux nôtres, mais où beaucoup d'actions sont différentes, en fait, c'est ça. Ce qui fait que beaucoup de choses peuvent changer. Un univers, par exemple, dans l'univers parallèle de la Terre, si on y croit ou autre, la Terre pourrait être détruite finalement. Quand on parle du loup, à ce moment-là, le mur explosait, des débris jaillis du trou, il y avait de la poussière partout. Solid Snake, dans sa combinaison motorisée, se tenait là. Il dit à Mailing, je t'ai fait attendre. Non, chérie. En tout cas, il lançait un missile de sa main de serpent. D'explosion, je suis projeté contre le mur, je perdis connaissance. Lorsque je vois à moi, je vis Solidus serrer Mailing dans ses bras et s'enfuir par le trou qu'il venait de faire dans le mur. Je faisais pas le poids contre Solidus, solution. L'alga sur laquelle nous étions tombés sur la Big Shell, ouais, je fais de la part, j'ai une idée. Une adolescente femme noire était assise en femme noire, et il y a sûrement chanceuse, ouais, comment, perplexe, recrutons le groupe, espérance appréciée. Ok, nous contacterons, j'attends votre réponse. Elle aussi cherche sûrement des informations sur le groupe, elle viendra, comme tu avais un expert en saut arrière et en glissade. Ouais, il était marrant, hein, toute évidence. Pas de panique, attendons encore un peu au suivant. D'accord, après nous avoir... Quelqu'un situation Olga, après nous avoir écouté, d'accord, ils ont trouvé... Olga, tu veux dire qu'il y a d'autres particularités sûrement, mais ce qu'elle forme et à quel point j'ignore, on a des données sur Gurlugon, si nous avons son parcours, Octacon. Ok, je te préviens, dès que je repère une particularité en attendant, continue à franchir les étapes en RV, fais attention car Solidus va sûrement réagir, il y aura peut-être des pièges, prudence, Octacon démarrera. Alors là, on refait de la RV, sauf que ça va être un peu plus difficile. Je suis désolé, j'ai toujours mission VR, même dans mes MGS2, alors que c'est RV. C'est plus les mouvements. Ok. Ok. Ok, ok, ok. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Champion du monde. Combien j'ai fait. Oh, premier first. C'est pas beau ça sans le savoir, hein, je le connais, j'ai fait
fait très longtemps que je l'ai fait. Hein. Tu as repéré les particularités demain? Non, pas encore. Je vais essayer un autre réglage, je me prépare, attends un peu. J'étais seul, tu as peut-être compris comment trouver les particularités de Harvey Snake, mais tu n'en trouveras pas. Ah d'accord. Tu n'en trouveras pas. Otacon, c'est celui du jeu, c'est j'ai détecté aussi. Il essaie d'entrer dans le système RV, mais il ne contrôle pas encore tout. Passons à la construction RV suivante. Tu es prêt? I'm ready. Ok, faut faire des RV pour essayer de retrouver Solidus. Et puis détruise toutes les cibles et atteignez objectif. Explose quand il est détruit. Ah, ouais, je me rappelle. J'ai vu que je suis nul à ça. Là. Ah, raté tout. Non, mais... We did it. Great. C'est good? Ok. Bon, je suis pas premier, parce que j'aurais dû faire tout exploser, alors que là, c'est pas ce que j'ai fait. Great, de la part de Raiden. Ouais, je suis pas premier, c'est bien ce que je sens, ce qui me semblait. Comment qu'il fait nuit chez moi? T'en sors, Otacon, demande à souffler. J'ai détecté un comportement plausible, mais il est encore loin. Change les réglages des variables et vise un score plus élevé. What? Ouais, je vais faire mieux. Cette fois, la simulation de Hervé commence à... Oh non! Faut que je fasse mieux! Ok! Mais vu que je suis nul, ça va être dur. Bam! Bam! Faut pas que je rate un tir. Bam! 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 Ok. C'est beau ce que je fais. J'aurais dû aller à droite, c'est pas grave. Et la dernière balle dans rien. Normalement là, j'ai fait mieux. You know what you're doing. Best. Ah, j'ai même pas fait le mieux, putain la vache. C'est mieux, je prépare pour le régler à peine et j'avais joché la tête que j'entendis Manning. Ça sort bien mieux qu'on ne le pensait, non? C'est vrai. Il faudrait mieux de changer de stratégie, on va falloir bloquer la particularité pour les empêcher de s'en approcher. Ah ah! Et si on se servait de... Pardon, c'est trop risqué. Même s'il parvient à arrêter Snake, ça serait inutile si ça entraîne à... C'est vrai, on l'utilisera au dernier recours seulement. C'est toi qui vois, mon chéri. Ah d'accord. Otacon Solidus sur l'aise, je sais, la restriction progresse, il faut trouver la particularité avant qu'il ne contrôle tout. Allons-y, vite, 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 vite. C'est lui qui va contrôler la RV. Et c'est pas très bien. Eliminate all. Eliminate tous les ennemis, atteignez l'objectif. Par exemple, vous pouvez leur sauter dessus ou tomber sur eux en mode suspension. Ok. You're pretty good. Bon bah on recommence. Je vais en faire des continues, moi je vous le dis. Ah! Et là je gaspille les munitions comme un abruti. Oh, il se retourne au pile au moment que bah qu'il fallait pas. C'est bien, j'ai des balles de M9. Oh bah ça devrait aller alors. Voilà. On a peut-être dû attendre d'avoir le M9, mais c'est pas grave. You know what you're doing. Ne me dis pas de la refaire, s'il te plaît, j'aime pas trop. Vas-y. Voilà le genre de mission à RV aussi qu'on a. Détecte une réaction, vite la cible suivante. Chérie Snake, et j'entendis Mayling claquer la langue comme si elle s'adressait à moi. Je sais, il est peut-être temps de les utiliser, prépare-toi. Compris. Ils vont nous utiliser ou quoi? Entre oh, Snake, Solidus a pris le contrôle du système de RV. On n'a pas beaucoup de temps. Commence. Ok. Let's go. Allons-y, mon ami. Allons-y. Caméra de surveillance, on découvre, la mission sera terminée. Juste au-dessous de la caméra, on ne vous verra pas. Vous faire repérer. Sans vous faire repérer, ok. Et sans tuer. Ah si, on peut tuer. Je passe par là. C'est que c'est un choix de merde, mais je m'en fous. Freeze. Oh.
La caméra, c'est bon. C'est parfait. Si. Et voilà. That's how you do it. Oh, premier en plus. Pourtant, je suis allé à l'arrache. Pas de lumière, pas de son, pas de sensation de température. Non, ça gâche le texte. Ni même de hauteur, et Tesla a j'ai appelé Otacon, mais ce fut Solidus qui répondit. Tu es dans ce qu'on appelle, comment dire, ravi entre les univers parallèles. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Pourquoi veux-tu détruire l'univers, hein? Détruire, ne sois pas stupide. J'ai opéré de correction, retour à la normale, que veux-tu dire? Je sais pas ce qui... Ok, n'hésitez pas à mettre pause comme d'habitude. Puissance de calcul presque illimitée, ouais. Transformer en dispositif, contrôler la possibilité même. Ouh, contrôler la possibilité, un petit peu comme ce que les Patriotes veulent faire. Pareil, interférence avec lui, ok. Pour l'information Hervé, les actions effectuées à RTV se reflètent dans l'ensemble d'univers correspondants. D'accord. En d'autres termes, les univers ayant d'autres possibilités, bref, les univers parallèles où ce soldat n'a pas été tué perdent leur potentiel indéfini et sont effacés. Ceux qui ne contredisent pas les actions, tu comprends, lorsque ta partie se termine dans la mission Hervé et que tu recommences, la possibilité existante de cet univers refusée et éliminée. Ah ah! Univers parallèle, les particularités sont une forme de condensé. Je revis Olga, le Gurlugon et Mailing. Si cette perturbation avait vraiment été causée par une interférence externe, cela signifierait que mon propre univers reçoit des interférences système 1. Vous sentiez que ton corps ne t'appartenait pas, que tu avais agi d'une façon surprenante ou que tu étais capable de faire quelque chose que tu croyais impossible? Est-ce parce que quelqu'un d'autre. Ah, attendez. C'est à cause des interférences d'autres univers. C'est peut-être parce que quelqu'un d'autre, d'un autre univers, t'a aidé que tu es sorti victorieux de Shadow Moses. Peut-être qu'il fait référence au joueur aussi. C'est peut-être ça. Je refuse de reconnaître l'univers où j'ai été tué, c'est insensé être le droit de 1-1-1. D'accord, il n'y a rien à ajouter. Je renoncerai pas à la particularité, je ne peux pas te laisser rétablir les univers. Ah, que j'ai corrigé, tu as donc resté ici pour toujours. Tu vas regretter de m'obliger à rompre l'alliance, une unité répugnante. Présence suffirait à détruire un monde, ce sont les enfants des ténèbres sur lesquels... Les enfants terribles. La haine de l'univers, la princesse de l'enfer, le prince du chaos. Je te présente Rose et Jack. Tout fut enveloppé d'une lueur aveuglante. J'aurais dû sauvegarder. Ah, Jack qui ne... Hein? What? Ici la terre, Jack. Rose se pencha sur la table et tourna la tête. Les yeux, ça ne va pas. Tu avais l'air ailleurs. Je caressais ses cheveux. J'étais sous le charme. C'est drôle. C'est quelle journée demain? Oui, le 21 mars. Quoi, le 21? Oui, bien sûr. C'est le plus beau jour de ma vie. Faux. Vraiment, ouais. Tous les jours, je me dis que j'ai de la chance d'avoir rencontré, ça veut dire que... À ce moment-là, j'ai cru entendre quelqu'un m'appeler au loin, j'avais l'impression de bien connaître cette voix. Attention, Snake, c'est le piège de Solidus. Ok. Qu'est-ce que ce piège? Une bombe. Désamorcer toutes les bombes. Le bruit que les bombes font. Pourquoi bombe disposante numéro 1? Avec Raiden. Bam. Ah, c'est peut-être ici. Oh là, la chance que j'ai. La chance que j'ai, il n'y a qu'une bombe, hein. Bon. Ah non, il y a deux bombes, pardon, j'ai rien dit. Je savais pas que c'était là. Enfin, qu'il y en avait une là, je veux dire. Ah. Allez, bouge. Ouais. What was that? Non. Que nenni, que nenni. What? Elle est en haut? Elle est où? Là, je t'ai vu, toi. Où est-elle? Ce côté-là? Non. Elle doit être où il y a les caméras, en fait. Ah, du coup, faut que j'endors tout le monde pour déglinguer les caméras. Ah non, il y a des grenades chef. Qui se prend une droite dans la bouche. Pas où elle est là, c'est obligé, je l'entends. What?
juste endormir tout le monde, hein. Histoire de. Ok. Je sais pas où elle est, par contre. Voilà. Oh. Il va me voir. C'est bon. Y'a plus personne. Je peux détruire la caméra. Je sais pas si les caméras ont quelque chose à voir, hein, mais. Plus personne. On va voir. C'est bizarre qu'on contrôle Reden dans cette mission encore. Ah. Allez. Comment on détruit alors? Bah je sais pas. Serait-ce ici? Serait-ce en haut? Serait-ce... Moi j'aurais dit par ici, hein, mais apparemment non. En tout cas pas là. Où est-ce qu'elle est? Il reste 4 minutes. Voilà. Je trouve pas perso. Elle est pas là devant, non, je sais pas. Je sais pas du tout. Là. Ouais. Et vas-y, ça me gêne là. Ah, le garde de l'autre côté encore. Il est revenu à la vie. Chut. Où est-ce qu'il peut être, bordel? Sur les caisses? Ok, d'accord. C'était vachement dur. Dommage, mais c'était bien parti. Bon, voilà. Voilà, c'est fait. We did it. Bon, bah là, le score, c'est même pas la peine. J'ai tué du genre, j'ai fait n'importe quoi. Next stage. Ah bon? Bon, bah c'est parti alors. Munis du champ de bataille, élargissement, tatata. Cadavre, c'était rose. Et ta mission. Waouh, on est à 1h37 de vidéo, je vais pleurer. C'est pas grave, il faut que je parle. Il faut que je te parle, vraiment. Ouais, ouais. N'hésitez pas à mettre pause, comme d'habitude. D'accord, je vais te le dire, Jack. Je suis. Je pense que je grossis. Ah, ouais, elle dit qu'elle est enceinte. Ma vieille jupe me sert maintenant, ça t'embête, hein, ça. Pourquoi ne pas faire de l'exercice? J'en ferai avec toi si tu veux. Du jogging. À ce moment-là, j'ai cru entendre quelqu'un m'appeler au loin. J'avais l'impression que de bien connaître cette voix. Snake, sors du piège de Solidus. Ah ah. Hold up. Oh non, pas les hold up. Enfin, j'aime bien, mais ça dépend avec quelle arme. Et là, ça va, j'ai la bonne. Ah! Ok, c'est perdu. C'est perdu. Freeze! Oh, la chance. Là, j'ai eu de la chance, parce que normalement, c'était perdu. Freeze! Allez, allez, allez. Tac. Voilà. J'ai eu de la chance, hein. Franchement, pour l'autre, le petit réflexe du hold-up juste à l'entrée de la porte. Parfait! You're great! Next stage! Posez-moi, dis-nous, le restaurant, en bord de la rivière, nanana, il m'est arrivé quelque chose jeudi dernier, quoi, donc colonel, les extraterrestres vous ont encore enlevé, le colonel se fâcha des extraterrestres, mais ça n'existe pas, c'est inconcevable. Ça, c'est rapport à la séquence de codec qui dit n'importe quoi. J'ai envie de se calmer, quand même. Écoutez, derrière chez moi, il y a un champ d'orge, je lui sors, j'ai vu des trucs qui brillaient dans le champ, très complexe dans l'orge, des crop circles, je crois, ça s'appelle comme ça. Je pense que c'est un genre de message, c'est ce que je pensais, j'aurais donc besoin de ciseaux pour mission consiste à détruire toutes les cibles et à atteindre le but, soyez prudent. À ce moment-là, je peux entendre quelqu'un m'appeler Snake, tu es pris au piège de celui du sort du mode Hervé. Ah, c'est moi, en fait, faut pas que je mette next stage à chaque fois. Bon, bah, je vais mettre exit alors. N'est-ce pas? C'est moi en fait qui fait n'importe quoi. J'aurais dû sortir depuis. Ah, c'est mode sniper, j'aime pas celui-là. Enfin, j'aime pas ce mode. Celui-là, perso. Ah! Voilà. Voilà. Il y en a un derrière aussi. Là. 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 Il
me reste 3 cibles. Une là-bas. Recharge. Voilà. Il y a vraiment des modes durs, enfin genre celui-là dans les modes les plus difficiles est, bah, est vraiment difficile quoi. Le plus simple c'est d'aller vers le bas dans ce cas-là. Voilà, je l'ai vu, là-bas. Ah fuck. Voilà. Oh, ça va, je m'en suis pas trop mal tiré. Yeah. Good work. Bon, j'ai pas fait un bon score. Ouais, pas... Je quitte pour voir. Ah bah voilà, j'ai bien fait. Je suis jeté dans l'immense espace dont le sol était mystérieux illuminé. J'entendais voix de Tagon. Snake, Snake, ça va, je secoue la tête pour soulager. Hein. Il me semblait avoir rêvé pendant des siècles. J'ai complètement repris le contrôle. Ouais, du coup, fallait bien que je quitte. J'aurais pu continuer longtemps. Moi, je faisais next parce que voilà. Je trouvais, allez là, tu es dedans, on peut ramener l'univers normal. Maintenant, à ce moment-là, je sentis quelque chose d'énorme venir de devant, un métal guiré émerger des ténèbres, puis un deuxième, puis d'autres, les uns après les autres. Otacon s'écria, c'est la dernière tentative de Solidus pour nous arrêter, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Tiens, bon, les raies de Metal Gear se rapprochaient. Les raies de Metal Gear. Non, les Metal Gear raies, mais les raies de Metal Gear. Ou alors, ça serait les raies de Metal Gear Solid 2, c'est-à-dire du jeu en lui-même. Je vais l'affronter, je devrais lutter jusqu'à ce qu'Otacon est fini. Bon bah on va déglinguer du Metal Gear Ray et je pense que c'est le tout dernier boss, messieurs dames, tout dernier boss, donc je sauvegarde juste avant. Et probablement la dernière action en vidéo de Metal Gear Solid 2. Allez c'est parti, on va déglinguer du Double Shit. Yes, ration, merci. Oh, avec Snake en plus. Oh, il y a des, ouais, y a des munitions là-bas. Bonjour. Ah. Vite, 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 vite. Merci pour la ration qui atterrit. Ah. Bien fait de dire merci. Bordel. Tiens. Tu vas venir, oui. Je suis là. Vas-y, vas-y, on va. Oh, les raies au fond, j'adore. Technique. Même pas touché. Boum dans ta face. Ah. Bon, j'ai pas de chaff. Tant qu'il lance pas de missile, ça va. Les ceux du fond, je veux dire. Trop tard. Tiens, prends ça. Prends ça, fumier. Je peux toucher lui aussi. Voilà. Comme ça, t'es touché aussi. Allez, viens te battre. Allez, c'est pour lutter contre Solidus, ça. Boum. Bon, tant pis. Oh, touché, la vache. Je pensais pas, franchement. Boum. Tac, tac. Cette technique, bam! Voilà, c'est ça que je voulais. Esquive! Voilà! Bon! Toi, tu t'en prends dans la face. Bam! Mais bon, il n'a pas touché. Toi aussi. Ah! Bon bah j'en ai détruit un avant qu'il monte, c'est déjà bien. Faut que je m'écarte par ce contre l'eau. Ah c'est pas lui, d'accord. Bah si il est mort, regarde. Il monte et bon bah il redescend. Ah. Esquive. T'es trop lent.
il a ouvert la bouche aussi le temps au bon moment. Bam. Toi aussi, bam, dans ta face. On sent le skill. Esqui. Allez, touche-le, 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 touche-le. Boum, non, passe, passe assez vite. Allez. Voilà. Boum. Des blunts, ça. Je l'ai pas entendu. Esquive. Ah, bah oui, mais là, forcément, là, que voulez-vous que je fasse? Ils sont à 3, là, je me suis... J'ai été touché par l'onde de choc, plus par les missiles, plus... Ah, ça y est, c'est fini. Plus par le rayon. À mon réveil, je me retrouvais dans ce Soidus qu'avait appelé le vide. C'était qu'on a réussi, c'est bien passé. Je crois que tu devrais de bientôt revenir dans notre rivière, les réparations, l'air de soin. Snake! C'était la voix furieuse de Solidus, désolé, j'ai du mal à parler. Tire à ses épées, je dis. Arrête, c'est fini, l'univers est en train de se réparer. Non, ce n'est pas fini. Si je te tue ici, il y aura au moins un univers où je survis, ce sera. Et qui sera défini. Il y avait un autre moyen, mais Solidus se moqua de moi et brandit ses épées. Il me fixa d'un regard perçant et menaçant. Assez parlé. Lutte! Combat d'épée entre Solidus et Snake, sachant que Solid Snake n'est bon que au couteau, pas à l'épée. Eh ben, on va se fighter. On est à combien de temps, là? 1h46, je vais encore pleurer, peut uploader tout ça. Mais c'est ça qui est bon. Avec ma manette qui a plus de batterie, là, ça fait 1 heure qu'elle a plus de batterie. Regarde! Ah, j'ai pas de... What? What? Ski! Bla! Bla! Ah! Ah! Oui! Faut que j'appuie, faut que j'appuie, faut que j'appuie! Ce combat sans épée... Peu! Peu! Bla! Bla! Eh ouais, ouais. Chut, 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 chut. Allez, prends, voilà. J'ai même pas d'épée, mais qu'est-ce que... Ah. Non, mais non, mais... What? Et forcément, je prends feu. Boum. Non, mais... Ça va être dur, hein, franchement. Non, 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 non. Ah, mais il est encore en feu, mais... Boum, boum, boum. You wanna fight? You wanna dance? Il va pas me toucher avec ça, franchement. Doum, doum. Je pensais que j'allais prendre feu. C'est chaud, hein. Franchement, je vous le dis. Ah! J'ai appuyé sur la roulade, mais ça l'a pas fait. Tac! Allez, viens! Allez, viens! Viens! Allez, prends feu, Snake, c'est ça qui est bon! On aime le feu! Boum, boum, boum! Tout ce que t'as dans le vent? Ah! Ah, c'est pas bon ça! Oh, la dernière qui m'a touché! Ouah, j'ai plus de ration! Ah, si, c'est bon! Tiens, le kick dans ta face. Bon, là, je perds, hein, à mon avis. Ah, j'aurais pu essayer de faire plus que 3 coups, en fait, à chaque fois. Non, mais... Ah, putain, mais on peut pas se protéger, en plus. C'est ça qui est chiant. Bon, ok, bon, là, ça touche pas. Ok. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Je brûle, mais je m'en fous. Oh non, là, je le touchais. Oh non, ils sont méchants. Je perds de l'énergie comme si. Oh là là. Voilà. Boum! Dans ta face. Allez, allez, allez. Envoie tes missiles, là. Même pas. Tu me laisses regarder mon énergie comme ça. Un élan de je ne sais quoi. Doum, doum, doum! Allez. Je suis motivé. C'est chaud, hein, franchement. J'ai pas d'épée, donc je peux pas le contrer.
Vas-y, continue, continue, Snake. Voilà, voilà. Dès qu'il appuie ses tentacules, ça va peut-être être plus facile. Plus dur. Je sais pas. Esquive. Ce combat. Non, j'étais en train de le taper. Ah! J'étais en train de le taper. Bah, vous avez bien vu aussi, mais... Il fait ça, donc il est intouchable. Ouais, vas-y, fais ton truc. C'est inintéressant ce que tu fais. What's wrong with you? Oh, l'esquive. Oh, oh, oh non, non. Ah, normalement, je le touche quand il met son coup de pied à la con, là. Ah. Tac, tac, tac. C'est tout ce que t'as. Ah, tu perds pas tes tentacules, en fait, c'est encore pire. Non, bah non, c'est normal, je peux pas me protéger. Je peux pas me protéger, là. Ouais, vas-y, fais ton truc. Voilà, j'aime bien quand tu fais ça, parce que je peux te toucher automatiquement après. Ah! Je crois qu'il avait bugué le jeu, je vous jure. Ouais, 1h51. Bon. C'est parti, face à Solidus. Ok. Tu veux, je contre ça comment? Really? Oh, il plante l'épée dans le thorax. Bam, bam. Non mais... Comment voulez-vous que je gagne? Ça saute, Solidus. Non mais arrête avec ton feu de merde. Esquive. Tac, 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 tac. Boum, boum. Ok. Ah, le feu de merde. Boum. Allez. Allez. Tiens, je te fonce dedans, j'ai trouvé une technique. Boum. Alors, c'est qui le patron? Tac, tac. Ah, le feu. Putain, mais brûle pas, Snake. Vite, 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 récupère, récupère, récupère. Non! Pas que tu brûles. Putain, mais brûle pas, il brûle encore. Voilà. Voilà, voilà, super, le résultat. Ah là 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 là, c'est chaud. Enfin, j'ai trouvé la technique, mais c'est difficile, difficile, hein. On est parti. Esquive. Ok, donc en gros, j'ai pas d'épée. Ah, esquive. Merci pour les rations, c'est toujours sympa. Si j'y fonce dedans comme ça, t'as raté, hein. Je dis ça. Maintenant, j'ai la technique aussi. Ouais. L'esquive. Allez, on continue. Je suis chaud, moi. Esquive. Oh, c'est beau, ça. Ah! Ah! Oh non! Pourquoi? Oh, l'esquive! Bam! Non! La roulette qui marche pas. Non, 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 non. Ok, ça te touche qu'un petit peu. Boum boum. Non non, normalement après les missiles, normalement je suis obligé de le toucher. Enfin, ça. Putain. Saute sur le toit, j'aime bien que tu fais ça. Ah ah. Technique.
Ne prends pas feu surtout. Boum. Tac, 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 tac. Allez, j'ai enlevé un tiers, un quart, ouais, même quoi, un tiers. Boum, allez, c'est qui le patron? Who's the boss now? Vas-y, vas-y, vas-y. Fais tes attaques. Boum, boum, boum. C'est tout ce que t'as, j'ai même pas d'épée. Ouais, 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 vas-y, vas-y, envoie, envoie. Envoie-moi comme un sac. Ah. Pas trop près du bord, parce que je fais de la roulade, moi. Boum, boum, boum. Bah alors, tu me touches plus. T'es pas doué, en fait. T'es pas exactement le clone parfait de Big Boss. Allez, prends ça, le spear. Le spear de Roman Reigns. Ou le spear de Goldberg. Hop. Hop là, esquive. Bam, bam, bam. Allez, t'as la moitié. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Boum, boum, boum. Moins de la moitié. Soon, you will die. Non, c'est toi qui vas mourir bientôt. La roulade qui me fait tout esquiver. Hop là. Die. Quoi, t'as dit quoi? J'ai pas compris. Oh, ça y est, tu enlèves tes petites... je ne sais quoi, tentacules ou je ne sais quoi. Là, on va rigoler. Parce que je sais comment te contrer maintenant. Une roulade dans la face. En garde. Boum boum. Ah. Skip. Non, 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 c'est pas bien ça. C'est pas vrai. Bam. Tiens. Je t'enlève de la vie en plus. Hop. Oui, bien sûr. Boum. Ah. 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 Hop là, esquive. C'est trop lent. Oh. Esquive. Boum, boum, boum. C'est pas beau ça quand même, j'aime bien ce combat. Solidus Snake face à Sauce. Solidus Snake, non, Solidus face à cette Solid Snake. Ah, bien joué, mais j'étais trop près de toi, je suis Fire Snake. Je m'en fous du feu. Pas que je joue trop au con quand même. Tac, tac, touché. Ah, tiens. Boum. Je te fonce dedans, moi. Oh. Le piqué. Non, c'est pas le mieux que je puisse faire. Back, back, back. Ça, c'est, ça fait partie du mieux, du meilleur. Hop là, alors, le petit tac. Ouais, j'ai fait la roulade avant en fait, j'ai cru qu'il s'était arrêté. Bah alors, qu'est-ce que t'as? Bam, bam, bam. Allez, une dernière fois, je pensais pas que je m'en rappelais plus que c'était un peu plus facile que ça. Voilà, la roulade dans la face et c'est fini. Alors, celui du satin par mon coup de feu tomba. Coup de feu? Really? J'ai pas tiré. Il tendit la main, mais en vain, le corsidus tomba en silence, je ne pouvais rien faire au moment où son corps touchait le sol. Lumière, c'est lumière. Salut, ravi de te revoir, Snake. Ton retour signifie que la semaine prochaine, à partir, tu nous manqueras. Le gars Soline, vous me manquerez. Ta-ta-ta, ton enfant, le gars me regarde, ça, pourquoi? Je n'ai pas d'enfant, pas encore. Ah, d'accord. Oui, c'est une dimension parallèle. Ton mari, nous étions pris de panique, c'est vrai, dans votre univers. Non, il vaut mieux qu'il ne sache pas. Une meilleure vie, hein, elle est partie. Oui, mais maintenant que j'y pense, le Snake qui se tient devant moi semble différent du Snake dont il avait raison, dans un nom illimité. Certains devaient. Beaucoup se ressemblaient, ta 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 ta, peut-être qu'il n'aimait pas les chiens ou que son père était encore en vie, etc. etc. Que le tacon se tenait devant moi, oui, voilà. Voilà, c'est pour ça, c'est le Snake de mon hiver me doit 100$. Le tacon de mon hiver ne se mettrait jamais même pas en colère, même si je lui disais que j'ai cassé une de ses figurines.
Quoi, laquelle as-tu cassé? Des trucs comme ça. Une leur vive envahit le monde. Nous serrâmes la main. D'accord. Mon réveil, j'étais assis sur une chaise. Étais-je revenu juste? D'accord. On est revenu, en jugé par le son de ta voix. C'est fini, niveau tacon. Hop, 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 hop. Je me demande si c'est vraiment fini. Ok. Non, ce n'est pas fini. As-tu déjà cassé? Non, je. Non, je vais pas casser de figurine. Et regardez ça, Melling nous lance un journal qu'elle avait apporté. D'accord, ça se répète en fait. Rapport au début de l'aventure avec le monstre, hein, c'est pour ça. Et ben voilà pour cette mission-là, bordel, on est à combien de temps? 2 heures. Waouh, le monstre de la Big Shell, voilà, vous voyez, c'est. Le monstre, comme tout à l'heure, sauf que là, c'est pas un soldat russe de Metal Gear Solid 2, c'est les soldats de MMGS1 de la neige, vous voyez. On est habillé en bonne neige. Un monstre à la Big Shell. En tout cas, voilà. Voilà, voilà, j'espère que c'est fini. Ouais, voilà, external. Gaze. Ouais, cette musique. Bon, bah voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vais pas faire plus longtemps parce que je vais pleurer pour l'upload. Déjà que je pleure pour les vidéos d'une heure et demie. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Hein, les petites missions comme ça, je les avais pas faites. Donc voilà. Désolé pour les fails, mais bon, c'est amusant. Et salut à tous. C'était Gretouane. A force at work in our government and within the military seeking to control national affairs to suit its own interests. Metal Gear Ray bears the burden of confronting this party, thwarting their plans and guiding this nation back to its original path. The future of the country rests with you tonight. I have a daughter. It is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Trust.